Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin car elle est très très importante. C'est une vidéo très intéressante. Ça concerne l'élection Miss Guinée 2023. La famille, les Guinéens ne décolèrent pas. Et pour cause. On a tous vu hier l'élection de la Miss Guinée 2023. Et c'est la fille euh, Kuruma, euh, Miss Guinée forestière, qui a remporté l'élection. Et cette colère ne concerne pas du tout la victoire de la petite, mais ça concerne le cadeau qu'elle a réussi, la famille. Imaginez la Miss. Va recevoir une somme de 30 000 euros et des parcelles, une voiture sortie d'hygiène et une bourse d'études jusqu'au doctorat. Et pourquoi certains Guinéens sont en colère? Certains Guinéens sont en colère parce que vous le savez tous et même moi je me pose la question qu'est-ce que la miss va apporter à la guinée même si elle a gagné miss guinée 2023 mais quels sont les apports qu'elle va vraiment apporter au pays tandis que on a vu le jeune le jeune qui a été premier de la république baccalauréat 2023 le jeune a été le premier de la République. Et imaginez combien le gars le génome a reçu comme cadeau. Vous ne pouvez pas croire. Le génome a reçu un million de francs guinéens et un PC portable qui ne coûte même pas 500 dollars. Et ces, ces jeunes, ce sont les futurs cadres du pays. Vous le savez tous, parce que c'est un jeune vraiment brillant. Tout le monde a vu sa note qu'il a obtenue, baccalauréat 2023. C'était une note de 18, à peu près 19 sur 20. C'était la première fois en République de Guinée depuis 1985. Et ce jeune homme, vous savez où on l'a envoyé pour ses, pour ses études? On prend ce jeune, on l'envoie au Maroc pour faire ses études universitaires. Un premier de la République avec à peu près 19 sur 20 de notes. On prend ce jeune homme, on le jette au Maroc pour ses études universitaires. Tandis que la Miss, elle a le choix de faire des elle a le choix de son pays d'études et son école. Et le premier de la République, lui, n'a pas eu ce choix. C'est l'État qui le prend, qui le jette au Maroc. On voit tous ces derniers temps les boursiers guinéens, comment ces boursiers souffrent souffrent, réclament tout le temps leurs bourses d'études. Ces boursiers sont tout le temps devant nos ambassades en train de manifester à cause du non-paiement de leurs bourses. C'est pour ça certains Guinéens sont en colère contre la ministre Djaka car c'est elle qui a offert ses bourses. Euh aux trois candidats, dont la Miss nice et ses deux dauphines, ils vont, elles vont tous bénéficier des, 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 des bourses d'études dans des pays de leur choix et des universités de leur choix. Alors, la famille, je vous invite à regarder cette vidéo de notre frère Benito de Massanta son coup de gueule contre la ministre Djaka. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Elle est très, très, très intéressante. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de détails dans cette vidéo. Excusez-moi. Bonsoir à tout le monde. Nous allons d'abord commencer par ce document que je trouve extraordinaire. Voilà. Qui est si long, mais que je trouve extraordinaire et très intéressant. Parce qu'en fait, le document rappelle l'hypocrisie, la malhonnêteté. Et le document rappelle, encore une fois, le peuple de Guinée qui doit prendre sa responsabilité. De passage, je rappelle que nous avons appris ce matin qu'il y a eu tentative de coup d'État. Et je dis bien, c'est un des supporters numéro un, le premier même à venir à Conakry pour dire qu'il soutient Doumbouya, qu'il l'encourage dans le cas de, de son coup d'état, c'est-à-dire le président Madabio, qui a eu la grâce, qui a eu le soutien, qui avait eu tout du professeur Alpha Condé. Euh, C'est Madabio aujourd'hui, il y a certains militaires qui ont tenté de prendre des armes dans l'armurerie, parce qu'il y a l'armurerie. Ils ont tenté juste de prendre des armes. Ils se sont précipités pour venir parler de coup d'état. Voilà. Les gens-là n'ont jamais attaqué le palais, n'ont jamais tenté. Ils sont allés juste attaquer l'armée pour récupérer les armes. Ça peut être découpé de l'autre, là. Mais, monsieur, faut demander à ton ami de venir au secours. Voilà. Donc, nous allons revenir à M. Kouno pour lui dire merci et bravo et que nous avons aimé son document. Voilà ce que M. Kounounou dit et que je trouve intéressant parce que Iba Foucault, dans ce pays-là, a quelqu'un qui veut s'installer. Il est en train d'appliquer les formules pour s'installer. Parce qu'on l'a appris. Ils l'ont donné toutes les formules pour rester au pouvoir. Donc, il, a, il est en train de les appliquer les unes après les autres pour rester au pouvoir. Donc, s'il y a des personnes averties qui ont combattu beaucoup de régimes ici, qui sont vraiment des, des personnes qui travaillent avec la société civile, qui sont reconnues par la communauté internationale comme membres de la société civile, font des documents pour venir, pour retracer ce que vous dites à l'orgueil journée, en tête, en tout, sauf pour parler d'autres choses. faut qu'on le fasse. Bonjour à tout le monde. Sako, comment vas-tu? Partagez, s'il vous plaît. Voilà ce qu'il a écrit et que je trouve vraiment intéressant. Ouriba, salut frère. Indignons-nous face aux dictateurs et à ses spires. spires. Lorsque la dictature semble s'enraciner, l'on peut, et c'est un sentiment bien humain, se laisser tenter par la capitulation, la démission et la, ou la résignation. L'on peut être tenté d'écouter les sirènes pessimistes qui ont tout à gagner au maintien du statu quo répandre allègrement des messages de type, c'est plier la messe est dite, il faut passer à autre chose, il faut la paix, laisser le travail, j'en passe et des merveilles. Ça, c'est la vérité. Merci, frère Urba, pour les étoiles. L'on peut se laisser tenter par l'envie parfois, irrépressible d'abandonner ce pays à son triste sort et de continuer son chemin comme si de rien n'était dans la bassesse, la légèreté, la cupidité et l'ignomnie de ceux qui président à sa destinée sont sans limite. Mais comme le disait Stéphane Ezel, il ne faudra pas exaspérer, il faudrait espérer. L'exaspération est un déni de l'espoir. L'exacération est un déni de l'espoir. Elle est compréhensible, je dirais presque qu'elle est naturelle, mais pour autant elle n'est pas acceptable. Parce qu'elle ne permet pas d'obtenir les résultats que peut éventuellement produire l'espérance. C'est-à-dire, au il y a certains qui disent à longueur d'une non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, quand est-ce? Voyez-vous, il y a encore des femmes et des hommes dans ce pays qui ne pensent pas qu'à leurs petites personnes et à qui il arrive de penser à, en termes d'intérêt général, comme certains communicants, merci là-bas. Voilà. Des femmes et des hommes qui seront malheureux aussi longtemps que ce pays sera considéré comme la rigée du monde. Des femmes et des hommes qui ont décidé de sacrifier leur temps leur argent, leur énergie et par-dessus toute leur vie familiale et sociale, pour que les Guinéens connaissent un jour le bien-être qui sont en droit d'attendre des richesses immenses du pays. Les Guinéens, dans leur grande majorité, ont soif de liberté, de justice et de développement à la base. Comment pouvez-vous vous sentir à l'aise dans un pays où le système a décidé qu'il a le droit de vie et de mort sur vous. Pensez-vous être le seul nécessiteux dans ce pays? Excusez-moi. Et pourtant il me suit. Je continue. Comment pensez-vous vous sentir à l'aise dans un pays où le système a décidé il a le droit de vie et de mort sur vous. Pensez-vous être les seuls nécessités dans ce, dans ce bled Croyez-vous être les seuls capables de créer de l'emploi et de la richesse Savez-vous ce que font les autres quand ils ne, sont, ils ne se battent pas Nous aspirons à vivre dans un pays de droit, de liberté, de fraternité et de tolérance. C'est ce que nous avons appris des pères fondateurs de notre nation. Nous refusons de cohabiter et de collaborer avec ceux qui s'abreuvent, ceux qui s'abreuvent et se nourrissent du sang de la chair de nos frères. Nous voulons travailler et gagner notre vie à la sueur de notre front sur la terre de nos ancêtres. Nous ne voulons pas vivre comme des esclaves qui courbent les cimes face à des imposteurs ouais, qui pillent nos richesses, ou comme des éternels exilés, tant qu'il régnera l'injustice, la paix sera absente et le chaos ne sera pas bien loin. Et pour terminer avec, prenez le relais, indignez-vous, les responsables politiques, économiques, intellectuels, et l'ensemble de la société ne doit pas démissionner ni laisser impressionner par l'actuelle dictature. Je me devais le devoir de lire ça. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux Est-ce que l'hôtesse n'a pas raison Quand vous regardez ce pays-là aujourd'hui, il pense être les seuls nécessités. Il pense être les seuls employeurs. Est-ce qu'il emploie même Il pense être les seuls. Ils ont le droit de vie et de mort sur tout le monde. C'est-à-dire, pour eux, ils ont le droit de vie et de mort sur tout le monde. Aujourd'hui, regardez comment le pays est Regardez aujourd'hui les, aujourd les détournements. On ne, parle, on ne parle pas de 1 million de dollars. Hein. On vous parle de combien De 15 milliards, de 20 milliards. Tous les jours, si ce n'est pas 10 milliards, c'est 20 milliards. Il fallait remercier Sekou vraiment pour ce, ce document. Il a pris l'extrait, il a pris cette partie au niveau des de pensées d'un philosophe. À travers elle est en train d'enseigner ces rabougries, ces personnes ignobles qui pensent que c'est eux qui connaissent la démocratie, qui pensent que c'est eux les seules nécessités. Est-ce que vous comprenez? Quand je vais finir mon direct, là, je vais te répondre petit. Comme c'est toi. toi. Toi, Damaro, camarade, tu, tu as ta page. Là. Tu peux écrire une page là, pour venir te flanquer, parler de jeunes sans emploi, imbécile. Tu peux le faire. Espèce d'ordure. Voilà des connards qui est perdus comme ça, des salauds. Voilà, je continue. Je reviens encore une fois vers cette, euh, cette dame arnaqueuse. Cette dame qu'on appelle Diaka, la ministre Diaka, cette femme businesswoman ou businesswoman, cette femme qui aujourd'hui oublie les reproches, qui aujourd'hui ignore nos jeunes frères, et jeunes sœurs qui se tuent à l'étranger, cette jeune dame qui ne passe pas à ses étudiants boursiers qui sont au Maroc, hein? en Égypte, en Tunisie, partout dans le monde. Plus de combien d'années ils n'ont pas de bourse d'entretien, pas d'argent, qui se permet bonnement. C'est ce que Kuduro dit. Mettez le cœur, il y a un animal qui est en train de mettre les têtes de mort, qui est en train de monter l'éducation de sa maman, quoi, ici. Partagez. Cette dame, la voilà, qui se permet c'est ce que Koundou dit. C'est-à-dire que les serait plus nécessité les pays les appartiennent. C'est pour eux. Combien de fois nous faisons des vidéos Big Brother Frère Moukta Dialona, merci pour les cœurs. Barry Alpha, depuis bien respect à toi. Nous l'avons fait combien de vidéos, combien de lives, combien de directs. Nous avons intervenu sur beaucoup de pages. Merci pour les cœurs. En dénonçant l'abandon de nos étudiants, en dénonçant l'abandon de nos étudiants, nos frères et sœurs. Aujourd'hui, ce sont ces étudiantes-là, franchement, qui, dans l'obligation, certaines partent se vendre pour venir nourrir leurs propres frères, les aider à des petits arabes. Ces prostituées à des petits arabes, des étudiantes qui n'ont jamais demandé à aller étudier, ce sont les fruits, le travail de examens qui les a envoyés là-bas. Mais ils sont obligés de se vendre. Pour nourrir les autres. Ils sont obligés, les filles là sont obligées. Oui, il n'y a, a pas de pousse d'entretien. Ils sont dans les autres pays, dans un pays étranger. Voilà une vaurienne, une canaille. Une canaille, si c'est. Ni un Ça là, ils sont ensemble. Voilà son copain, bon maman, couché aux États-Unis, il est marié. Il n'a pas honte. Quand elle fait le de voyage ici, là, que je viens me reposer. Tu viens te reposer où? Se permettre comme si ça l'appartient d'offrir des bourses à des Miss. Voilà dans ce pays-là, si c'est des conneries, des futilités, oh, ah, on sort les portefeuilles. Quand c'est pour sauver les étudiants-là, non, on ne sort pas les chèques. Mais si c'est pour des futilités, comment est-ce que vous pouvez donner 30 000 dollars à une Miss 30 000 dollars pour une Miss, 30 000 dollars, une villa une voiture. Et puis aller là où elle veut. Elle a qu'à choisir le pays où elle veut aller étudier. Et puis voilà une ministre qui sort. Paf! J'offre trois bourses d'étudiants. Eh Dieu! C'est ça! La dernière fois, je parlais de, de, du favoritisme. Il y a certains volets qui sont venus me manquer de respect. Comme elle s'appelle le volet à Binko Qu'on a. Le petit, là, mérite son poste. Il a été testé là. Non, il est rentré. Maman sa Fofana, qui est parti en Suisse pour placer l'argent de Doumbia et de, de pas Fofana. Un petit qui a 30 ans, il a quelle expérience? Il a 30 ans, on dit qu'il a, il a une expérience. Il ne s'agit pas de sortir brillant à l'université. Finir l'université avant l'expérience, c'est deux choses différentes. Hein? C'est deux activités différentes. On dit qu'il a un bagage intellectuel, mais il n'a pas, il n'est pas expérimenté. On parle d'expérience. Quand tu les non, il ne veut pas comprendre. Moi, je vous parle de quoi euh, Dans mon direct, je parlais de favoritisme. Ça dire que je me pose la question. Les autres Guinéens là ne sont pas des Guinéens C'est là-bas où se trouvait ma, ma question. Les autres Guinéens -là, là, ils ne sont pas des Guinéens. Les autres Guinéens là, ils n'ont pas besoin de faveur les autres, là, le paix ne les appartient pas. Encore qu'à au kuma, les, faux, les salauds sortent de nulle part pour venir. Regardez, je me rappelle, hein, peut-être si je me trompe, est-ce que je me rappelle, moi, -moi s'il vous plaît Moi, je me rappelle. Autant de Papa Lance à paix à son âme. Dieu si, si certains se rappellent, j'étais à Mamou. Je me rappelle très bien à Mamou. L'office de l'imam c'était il, il a été préne au baccalauréat première partie premier de la république en 91 en 96 encore premier de la république l'ancien auteur a offert une bourse une, une vraie bourse à cet à, au fils de l'imam et sa jeune sœur a sa jeune sœur était en douzième. elle a fait le bac avec lui elle a été présentée par euh, quand, le professeur M. dem Est-ce que vous comprenez? Donc, oh, attendez, je vais aider un peu le petit qui ciel là qui souffre sur ma page ici là. Attendez, va souffrir ici. Amamou ici là, sa petite sœur a fait le bac avec nous. Elle a eu le bac. Elle a été, elle a fait le bac. Elle a été 11e dans sa petite sœur, à 11e, elle a fait le bac avec nous. Et je me rappelle encore, quand je suis allé à Kankan, c'est Amara ou quoi là, j'ai oublié, Amara, Amara a été, c est, c est, merci frère, c'est Ousmane Diallo, merci beaucoup, voilà, Ousmane Diallo. Je me rappelle à Kankan aussi, voilà. j'ai oublié, c'était à Kankan, c'était Amara ou Kiba, Amara a été, parce qu'il révisait avec nous un, un expérimental, mais il était, il était en sciences-maths. Il a été premier la rubrique avec quel Il a eu 19 ans. C'était à 19 ans. ans. J'ai oublié. Je ne me rappelle plus les notes. Il y avait les notes. Il avait eu 19, 17, 50 et 20 en mathématiques. Donc, qu'est-ce que le président a fait Le président Nassan a en fait. Il y avait une bourse de l'Iran qui était venue sur la Une bourse de l'Iran. L'Iran en ce temps là c'est les Iraniens qui ont offert la bourse à, cet, à Amara. C'est un, un jeune qui a. Au lycée ravies de Kankan. Il est parti. Ça, c'est autant temps de l'ancien raconter. Mais regardez aujourd'hui, l'année passée, vous avez vu la remise des diplômes aux au bourses euh, au premier de chaque, de, euh, de chaque, chaque option. Pour l'amour de Dieu, je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Demandez, le premier de la République a reçu combien dans son enveloppe? Le premier de la République. Avec cette conjoncture. Avec les difficultés scolaires actuellement là. Avec la vie chère actuellement là. Je dis bien avec cette vie aujourd'hui là. Il a été premier de la République. Il a reçu combien? Je sais pas si c'est un million, un ordinateur HP. c'est, c'était un ordinateur et un million. Oui, ordinateur et un million. C'était tout. C'était tout! Mais aujourd'hui, Miss, où on vient montrer ses fesses et autres, je ne sais pas, c'est quel bon organisation même. On, on sort 30 000 dollars, on vient, on donne à des fit, à des trucs, à, à des futilités. Ceux qui, l'avenir de demain, des étudiants, ceux qui ont obtenu les, des bons résultats aux examens nationaux, on les dit un million, un million, on laisse, on prend plus de 300 millions de francs et on donne à des futilités. Si c'est pour venir montrer leur médiocrité, leur faiblesse, c'est des, voilà, des occasions comme ça. Allez-y, allez demander. moi, c'est à cause ça je vais défendre l'ancien jusqu'à ma mort. J'aime beaucoup ce président-là, son âme, Parce que voilà quelqu'un, l'ancien a dit devant tout le monde, rire. si vous pensez me tromper, vous trompez ce pays-là. Si vous pensez me tromper, vous trompez ce pays-là. Vous les intellectuels. Au moins lui, là, ça en son temps-là, quand on lui dit, voilà, vo voilà les notes de certains enfants-là, à la il à la Ransaï, à la De Ouamali. C'est Lansana raconte qui disait ça. Tous les premiers de la République, autant Lansana raconte, ont reçu de très bonnes bourses, Ils sont partis loin. Lansana raconte, après, a préféré mettre de l'argent dans les bourses, au lieu de donner dans les futilités comme ça, là. Allez-y voir. J'ai oublié le montant qu'on a, qu a donné au, au, au celui qui a été primé là. J'ai oublié le montant. Et pourtant on dit qu'il a eu une très bonne note. Je ne sais pas, qu'il a eu une très très bonne note. Mais demandez, il a reçu combien Je pense que c'était un million bah, 2 millions, plus un ordinateur, c'était tout, il a reçu. Et puis on l'envoie au Maroc. Maintenant, voilà cette bonarienne, cette vaurienne qui, regardez là, que, où, où ça est même? Où est sa photo? Si c'est des futilités comme ça, là, ils sont trop forts dedans. Des bêtises comme ça là. Regardez là. Regardez. Regardez la sorcière. Regardez là. Regardez. Regardez. Regardez ce Regardez. Regardez. Je ne sais, si sais pas si vous comprenez la frustration des enfants. Hein, avec toutes les conditions de vie aujourd'hui en Guinée. Des enfants deviennent premiers de la République. On leur donne un million plus un ordinateur, on les envoie au Maroc, des futilités comme ça, on donne 30 000 dollars, 30 000 dollars, une voiture, une maison. Ah, on me dit que c'est un million. Ah ok, un million de francs Un million de francs guinéens. Pour des conneries comme ça, là, on, on vient, on sort 30 millions dollars, ça fait à peu près 300 millions de francs guinéens. Et puis regardez là, mamakote, la sorcière, regardez là, ce qu'elle écrit. On dit officiel. La ministre de l'enseignement supérieur offre des bourses d'études aux trois premières gagnantes du concours Miss Guinée 2023. Écoutez ce qui me fait mal. Ah, salut mon frère, cher Cafan. Salut mon frère. Regardez, tout frais payé. Une université de leur choix. Une allocation mensuelle. Écoutez très bien. Ça vous fait pas mal. Hein, ça vous fait pas mal. Nos frères et sœurs, là, je connais. Je n'ai pas voulu mettre. Le mesaj, paske ya seten ki moun demande, Edite Benito, ala be anabbebe, moun an mesaj anabbebe, ala be moun an Egypt be, moun an Egypt be, moun an Tunisie be, moun an Marok be, moun borende prostitisyon anabama, e kobri disoto, e bore balo, be moun an be, mtaran nira moun yagiman an falay be, anan di falay be, moun an be, tete moun an moun an be, moun an bouse mou fama, moun an siga ambasade nan, akobri moun an, akobri moun farsin de, Et puis, nous avons demandé à Mourasso, et nous avons et nous avons demandé Mourasso, et nous avons demandé à et nous avons et nous avons et nous voyons des enfants de ces ministres-là, et voyageons à la bérima, et alors, la à la Mais j'ai dit à ces jeunes filles-là, c'est pas bon pour leur avenir, parce que le résultat va passer. Mais ils ont compris. Je dis, ah, pardon, mais n'a on qui a été. Mais sans mettre vos images, s'il vous plaît. Regardez. Regardez très bien. Parce que peut-être moi, je suis avec ou mais je ne comprends rien. Mais regardez. Peut-être que nous t'en mal comprendre. Regardez. Je ne suis pas en train de l'accuser. Regardez. Regardez ce que. La ministre de l'enseignement supérieur offre des bourses d'études, ok, tout ça, c'est pas ça mon problème. On dit tout tout frais payé, elle est capable de, de payer les bourses là, elle est capable de payer, mais elle n'est pas cap, capable d'envoyer les bourses, les bourses, les bourses d'études, qui est obligatoire, qui est un dû. Non, on n'envoie pas le dû, parce que c'est un dû, et on doit les c'est pour eux cet argent, parce qu'on paye mal. On paye Farana, on paye Kankan, on paye l'abbé, on paye Zérekouré. Donc, eux aussi, là, on doit les payer, mais on n'en va pas. On n'en va pas pour eux la main. Voilà une sorcière. Et puis, elle est championne en blanchiment d'argent. Cette diakala. Et, et puis, une université de la choix. Et puis, une allocation mensuelle. Oui, là, il est capable de payer. Allocation mensuelle, oui. Alloca Merci beaucoup pour les étoiles. Merci. Allocation mensuelle, c'est-à-dire on le paye. Et puis, elle va financer, financement complet de leur licence, de leur master et de leur doctorat, c'est-à-dire elle là, elle dit Elle va financer leur licence, leur master et leur doctorat. Oui. Donc les autres Guinéens, là, eux, là, non, 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 ils sont pas dedans. Y'a le M'bala Par une personne intermédiaire qui m'a écrit Est-ce que je parle de certains ministres ici? Non, ce n'est pas important. Ce qui m'intéresse là, moi, ce qui m'intéresse, quand tu fais des conneries, des bêtises, tu abandonnes la Guinée, tu prends ta propre responsabilité, tu vas payer très cher. Comment vas-tu? you? Ces bêtises-là ne tolère pas. Donc, moi, je te remets à ta place. Nous avons des sœurs au Maroc. Tout le monde connaît la, les conditions de vie au Maroc. Qui ne connaît pas les conditions de vie au Maroc Le Maroc, c'est le, le vrai capitalisme. En Égypte même, l'esclavage sexuel en Égypte. La Tunisie même, le pays du racisme, numéro un. C'est des Guinéens qui sont à là Band là-bas. Là, tu es capable d'oublier ça, d'ignorer ça pour venir montrer ta carence ici. elles ont une bourse, une bourse, je paie leur licence, leur doctorat. Mais sauf que tu ne sais pas que leur master, leur licence, leur master, leur doctorat ne te trouvera pas en fonction. C'est ça aussi. Parce que là, c'est fini. C'est terminé. là, c'est terminé. Voilà, la famille, cette deuxième vidéo concerne la Kiev précisément à Touré, sur le cas de Amadou Damaro Kamara. Comme vous le savez, Amadou Damaro Kamara, après sa comparution à la Kiev, avait déclaré avoir laissé 6 milliards de francs guinéens à la banque au compte de l'Assemblée nationale. Mais jusqu'à ce jour, M. Kourma n'a pas été entendu dans cette affaire pour savoir comment ces 6 milliards ont disparu au compte de l'Assemblée nationale. Alors, je vous laisse regarder ces explications pour plus de détails. Allez, Kiev, c'est pour te demander où se trouve le problème maintenant. C'est à quel niveau C'est à quel niveau se trouve le problème de, de, de ceux qui sont en prison Parce que là, là, je prends un seul exemple. Un seul exemple. Mais c'est Oye Guilavogui. Il y a eu des preuves pour dire que ce n'est pas lui qui décaissait l'argent. Tu n'as pas laissé partir, Oye Guilavogui. Il est parti se soigner. Ce n'est pas l'État qui est parti soigner Oye On sait qui est parti soigner Oye Ou bien dis-moi. C'est Oye qui est parti C'est toi. C'est l'État qui a. Et c'est l'État a les moins même de soigner Oye. L'État a les moins. Hein? Oye Gilavogui est parti se soigner. Allez, Touré, dis-nous qui a payé son traitement. Il est parti à la charge de qui De l'État. Mais qui l'a traumatisé Qui a traumatisé Oye Gilavogi Kassori est couché. Kassori, plus de 7 exemples. Ça dit. Plus de trois accusations, trois différentes accusations, jusque là, là. Il n'y a pas de preuves. Mais il est toujours en prison. C'est à cause de quand certains me disent que non, il est à l'hôpital. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. On dit non, Kassori est à l'hôpital. N'importe quoi. Il est à l'hôpital, il est libre. Il est chez lui. Est-ce que Kassori est chez lui? Kassori est chez lui, il est à la maison?

Allez dormir sur ma page, allez insulter sur ma page, allez commenter. Mais moi, je l'ai dit, au moment où j'étais en train de commenter ou bien suivre mes vidéos là, vous les insultologues là, vous qui êtes anti-vérité anti là, anti-démocratiste, vous qui n'aimez pas votre pays là, <laughs> sachez qu'en ce temps là, je suis votre employeur. Je suis votre employeur. Parce que tu es en train de m'insulter, mais tu es en train de m'écouter. Quand j'ai fini, tu commandes pour m'insulter. Mais en ce temps là, tu prends ton temps. Parce que le temps que tu es en train de faire là pour me suivre là, oui c'est ça, béni tu es ton employeur. Là où c est, c est celui. -là. Donc moi je te demande, Amad Damaro, parce que tu n'es pas un homme du paradis, tu vas trouver Dieu là-bas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On, Damaro, Damaro, Amad Damaro, Adam, Damaro, Assemblée nationale, qui a refait l'Assemblée nationale. Ce que Damaro a fait dans la restauration, refaire l'Assemblée nationale. Aucun président de l'Assemblée n'a fait. Aucun. Malgré, regardez, regardez là où Danza vient flanquer ses fesses. Regardez, tout ça là, les bureaux, tout climatisé, tout est là. C'est Damaro qui est tout fait. C'est Damaro qui est tout fait. Damaro s'est battu auprès du président Fakonde pour obtenir une Assemblée nationale. Une assemblée nationale dans l'argent là. Si tu avais dit que Damaro est accusé de détournement de combien De 6 milliards, on peut comprendre parce que dans les explications de Damaro, c'est juste que l'argent qu'il a dépensé, il a détaillé. Il y avait des preuves. Les personnes même qui ont reçu cet argent étaient là. Maintenant, qu'en est-il reste de l'argent Parce que les chèques, toutes les dépenses qui ont été effectuées entre. La neuvième législature et la prise en fonction de ça là sont détaillés par l'échec que j'ai mis sous la toile. Maintenant, quand est-ce que est dans ça doit passer pour répondre? Parce que dans ça doit passer. Dansa Kourma, le petit, malhonnête, doit passer. Dans ça doit passer pour dire Voilà, je n'ai rien à voir avec celui qui décaissait l'argent. Vous devez mettre en confrontation celui qui est resté pour décaisser l'argent. Et est dans sa courbe. Parce que les deux doivent s'expliquer sur le reste de l'argent. Parce que c'est 15 milliards qui sont sur le dos d'Ahmad Damaro. Mais pourquoi vous ne ramassez pas le reste là À trois qui partent devant la Kiev. Jusqu'au bas Parce que le Jusqu'au en a demandé. Pourquoi tu ne fais pas un appel Parce que ces 15 milliards, ce n'est pas 6 milliards ou 9 milliards. Parce que c'est divisé par deux. Maintenant, le juge pouvoir demande l'explication de la totalité du montant. Et quelles sont les personnes concernées C'est, comment il s'appelle là C'est Dansa Kuruma et le, et, et le gars là, est, c'est Chérif C'est celui qui était resté là-bas. Celui qui était chargé de, 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 de diriger les affaires courantes. Mais est-ce que tu as le kilo, l'audace de demander que Dansa comparait tu sais très bien que Dansa travaille pour Idi Amin. Aujourd'hui, Idi Amin a utilisé Dansa, Balas dessous Kondé pour évincer Dumbuya. Voilà les armes, de, les armes de Idi Amin aujourd'hui. Idi Amin aujourd'hui passe par Bala Samura, passe par euh, Dansa Kruma et dessous dans la communication, dans les actions pour neutraliser Dumbuya parce qu'il veut être chef de la Sauf que nous aussi, nous sommes fin prêts contre lui, Idi Amin. Parce que nous connaissons son identité et ce qu'il veut. Il a obtenu tous les postes, tout le respect, toutes les concessions ici. Aujourd'hui, la seule chose qui manque à cet individu-là, qu'on appelle Idjami, là, c'est être président. C'est tout être président. Voilà pourquoi il est, les gens pensent que Doumbia est un légionnaire français. Oui, Doumbia est un français. Par les documents. Mais ce qui est clair, la France a l'alternative aujourd'hui, à le remplaçant. La France préfère que Idi Amin organise les élections. Il préfère ça. Mais nous aussi, nous préférons d'abord tous ceux qui supportent Idi Amin soient jugés. Soient jugés. Hein? Allez, tourer. Si c'est pour dire que Kassori n'est pas malade, il fait exprès. Si c'est pour dire que Damaro n'est pas malade, la dernière fois, je, je suis désolé quand j'ai entendu le juge Kova dire, accuser accusé Damaro d'arrêter la, ré, la réplique de Dali. De, 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 J'étais dessus. Merci, Faliko. J'étais touché. Si c'est pour dire que Oye, Oye même, même c'est trop simple. Pour Oye même, la, le ministre d'alors, il a dit devant lui, il a envoyé le courrier, tu a reçu le courrier, que ce n'est pas Oye qui, dé, qui décaissait ces 50 millions de dollars-là. Maintenant, ce n'est pas Oye qui, dé, qui décaissait, qui a laissé partir parties ramasser des anciens fonctionnaires. Est-ce que c'est Oye qui est chargé de rapier quelqu'un de la France publique Oye était le ministre Malgré tout ça-là, le bonhomme est en prison. Ce n'est pas parce qu'il est parti s'est traité. Il est parti dans le document. Dans les documents, qu'est-ce qui est écrit Que Oye est un prisonnier. Il est accusé de tel, 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 tel. Donc, c'est la question que je te pose. Il faut que tu me réponds. Aujourd'hui, c'est vérifié par A plus B. La nouvelle recrue, la dernière recrue de Idi Amin, c'est Dussou Kone. Aujourd'hui aujourd dimanche, le 26, nous allons nous rencontrer au spectacle de Gilbert Fanta. Elle est la marraine. La, elle est la marraine de Gilbert Fanta. Nous serons là-bas. Sauf que celui qui a envoyé l'argent à Dussoukonde pour être marraine là. C'est lui, Idi Amin, à lui C'est Idi Si c'est pour jeter l'argent là-bas, par des colonies comme ça, c'est facile. Qui a envoyé l'argent à Dussoukonde C'est lui, Idi Amin. Elle est la marraine aujourd'hui. Nous allons nous croiser là-bas aujourd'hui, à, à New York, dans le Bronx. Et je vais filmer je vais filmer, que quelqu'un me dit là-bas, ben, tu filmer. Je vais filmer la dame là. Et si tu me provoques là-bas de seconder, nous allons nous attaquer. Voilà, il faut partir avec tes cousins qui m'écrivent là. Et wato Gilbefante, wato Gilbefante, wato Gilbefante, je suis son invité. Tu es son invité, je suis son invité. Là-bas là, là aujourd'hui, ça va chauffer. D'ailleurs, on n'a pas, euh, nous, nous avons fait échouer Dumbia ici, toutes les conneries contre Dumbia ici là. Et pour Doumbia ici là, c'est pas toi, une petite dame comme ça là, qui va m'effrayer moi que là-bas aujourd'hui nous venons yébi, sur le repos, nous allons nous croiser là-bas aujourd'hui, nous allons diviser le Bronx en deux, voilà. Et quand il a dit, Anatole a dit tout le répond, s'ils là les deux jours là, ça va chauffer entre tous les soutiens de Idi parce que aujourd'hui je ne supporte pas Doumbouya pour ça, mais c'est la trahison, c'est c'est vrai, c'est la trahison qui va lever Doumbouya. Mais nous ne voulons pas que la trahison vienne de Idi Amin parce qu'il n'est pas aujourd'hui l'homme que nous voulons. Ce n'est pas lui. Inchallah, donc portez-vous très bien. En attendant là, les Guinéens, ouvrez vos yeux. Voilà, on donne 30 000 dollars à une miss. On donne une voiture à une miss. On donne une parcelle à une miss. On donne des de d'études à trois personnes. Ils vont payer les bourses. Ils vont les payer mensuellement, ils, ils auront tous les, tous les honneurs. Vous qui avez des enfants à l'étranger, vous qui avez des étudiants à l'étranger, qui n'ont pas de bourse d'entretien, il y a de cela treize mois, ils n'ont pas de bourse d'entretien. N'oubliez pas l'argent qui était là bas avant, avant le coup d'État, c'est l'argent là qui a servi à payer les gens là pendant plus de huit mois. Parce qu'Alpha Condé était très prudent. On envoyait l'argent par 3 mois, trois mois. Quand on utilise deux mois avant que le troisième mois arrive, déjà l'argent est parti pour trois autres mois. Voilà comment l'argent est parti. L'argent où les les étudiants pensaient que c'est Dumbéa qui payait, ce n'est pas lui qui payait. Et puis les enfants sont rendus compte que ce n'était pas lui. A différents scandales, différents problèmes, différents débats à l'étranger. Hein? Paix à son âme. Nous avons vu ici là, Mani est partie défendre les étudiants. Mani même était défend Paix à son âme. Mamie Soir était partie défendre les étudiants mère avait plaidé pour les étudiants. Mais ça n'a pas marché jusqu'à son papy. Merci si pour aller jeter la avec la première dame. Sa robe, on dirait mon, euh, un pantalon ventilo porté par un enfant de 3 ans. Donc, quand on va aller. Hein Vous avez. vous n'avez pas vu la robe de la, votre première dame On dirait un pantalon ventilo de 1990 porté par un enfant de 3 ans. Allez-y voir. Quand c'est la première dame. Regardez ce qu'elle est à Kansan, à Loni. Ils sont en train de bouffer votre argent, ils sont en train de dépenser votre argent. Ils sont en train de faire n'importe quoi avec l'argent de ce pays-là. Ou bien vous, vous, vous ne voulez rien. C'est ce que euh, Koundro dit dans son édito là Il a parfaitement raison.